Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi tous ensemble. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Novembre nous revient avec ses rites et comme chaque année, la collecte nationale du secours catholique. On sait, on prévoit, mais finirait-on par s'habituer à la pauvreté des autres? Parce que chaque année, elle a un autre visage, le secours catholique privilégie l'accompagnement de ces personnes en difficulté. Par accompagnement, nous devenons partenaires. Chacun retrouve sa dignité. Mais accompagner, c'est quoi? C'est le quotidien de la vie, un regard qui fait vivre, un service qu'on propose, des démarches faites ensemble, une oreille attentive, un conseil. Ça demande peu de choses, mais ça peut changer la vie, changer le monde. Merci de ce que vous donnerez de votre argent, de votre temps, de votre cœur. Votre don a un sens s'il est le signe de l'ouverture de votre cœur, non pas seulement pour un jour, mais pour tous ces jours de l'année où vous croiserez un frère en difficulté, ces jours où vos regards prendront le temps de croiser son regard. Votre don a du sens si, au fond de vous-même, vous voulez éradiquer toute forme de pauvreté, changer le monde. Merci, ce geste devient porteur de cette espérance qu'ensemble, simplement, au plus quotidien de nos vies, nous pouvons construire ce monde dont nous rêvons, ce monde dont Dieu lui-même rêve pour chacun de nous. Des enveloppes vous seront distribuées à la sortie de l'église pour accueillir vos dons, ainsi qu'un dépliant qui vous donne des informations sur l'équipe locale du Secours catholique. Je vous remercie par avance. Cet appel tombe bien sur les textes d'aujourd'hui, puisque le Seigneur nous invite à mettre nos talents au service des autres, comme cette femme dans la première lecture mettra tout son talent pour apporter la joie à son mari, à sa famille. Mais ne soyons pas comme ce dernier serviteur dont nous parlera tout à l'heure l'Évangile,
par peur, par paresse, nous nous replions sur nous-mêmes pour ne pas agir dans l'Église et pour l'Église. C'est pourquoi au début de cette célébration, nous allons demander pardon au Seigneur pour n'avoir pas agi pour l'Église. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'espoir. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Maintenant, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions. Et nous te rendons grâce pour ton immense. Aux hommes qui aiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Seigneur tout pervers, tout puissant, tout puissant. Seigneur fils unique Jésus-Christ, Jésus-Christ. Seigneur agneau de Dieu, le fils des pères. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, les péchés. Sauve-nous du mal, prends pitié. Prends pitié. Assis auprès du Père, écoute-nous. Sur la terre, aux hommes qui l'aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Car toi seul est saint et Seigneur, et Seigneur. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu. Aux hommes qui aiment, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre charité. Car c'est ton bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme certains dimanches, j'invite les enfants à nous rejoindre au fond de l'église où Élodie se précipite.
Et ensemble, on va essayer de découvrir les petits talents qui sont cachés au fond de vous. Première lecture, lecture du livre des Proverbes. La femme vaillante, qui donc peut la trouver ? Elle est infiniment plus précieuse que les perles. Son mari peut avoir confiance en elle. Au lieu de lui coûter, elle l'enrichira. Tous les jours de sa vie, elle lui épargne le malheur et lui donne le bonheur. Elle a fait provision de laine et de lin, et ses mains travaillent avec entrain. Sa main saisit la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Décevante est la grâce et vaine la beauté. La femme qui craint le Seigneur est seule digne de louange. Reconnaissez les fruits de son travail sur la place publique, on fera l'éloge de son activité. Parole du Seigneur. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de saint Paul aux apôtres thessaloniciens. Frères, au sujet de la venue du Seigneur, il n'est pas nécessaire qu'on vous parle de délai ou de date. Vous savez très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» C'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous les fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors,
ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Voici qu'il vient sans tarder le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. La parole de Dieu est semée en nos cœurs. Heureux ceux qui la donnent. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, il est vivant. Alléluia, gloire à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre, enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. » Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 1 seul talent s'avança ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Car celui qui a, recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien,
jetez-le dehors dans les ténèbres. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Cette parole. Chers frères et sœurs en Christ, en écoutant cette parabole, nous sommes gênés par l'attitude du maître vis-à-vis du troisième serviteur qui n'a reçu qu'un talent. Le comportement de son maître paraît injuste et cruel. Cet homme n'a pas lésé son maître. Puisqu'ayant enterré le dépôt confié, il le rend intégralement. C'est seulement parce qu'il a été improductif, qu'il a été exclu de la joie de son maître et relégué dans les ténèbres, là où sont les pleurs et les grincements de dents. Autre attitude bouleversante, le maître dit: à tout homme qui a, on donnera plus, mais à celui qui n'a rien, on lui enlèvera même ce qu'il a. Chers frères et sœurs, n'est-il pas choquant et injuste de dépouiller le pauvre au profit du nanti? Apparemment, oui, mais essayons de comprendre cette parabole. Les deux serviteurs, admis à la joie de leur maître, ont fait fructifier tous les talents reçus, chacun selon ses possibilités. C'est dire qu'ils ont tout mis en valeur, sans rien exclure. En plus, tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont produit, ils ont tout rendu au maître, comme des gens qu'ils ne veulent rien garder pour eux. Chers amis, il faut reconnaître que cette parabole nous parle du retour du Seigneur et qui entretient en nous cette espérance du jour promis. Et nous réaffirmons ce retour tous les dimanches dans le Credo qui nous donne des mots qui nous aide à nous approprier de ce trésor immense que le Seigneur nous a confié jusqu'à son retour. Il reviendra dans la gloire, disons-nous, chantons-nous dans le Credo. La foi dans le retour du Christ ne date pas d'aujourd'hui. Les premières communautés attendaient un retour imminent de leur maître. Cette parabole oriente nos regards donc vers le retour du Seigneur, mais surtout rappelle que le temps de l'Église est celui de prise de décisions personnelles, parfois contraires, qui nous engagent à travailler dans l'Église et pour l'Église. Chacun de nous est invité à faire fructifier le don. Ce don de Dieu déposé dans son cœur le jour de son baptême. Et nous, qu'avons-nous fait de ce don de la foi que nous avons reçu le jour de notre baptême? Ne sommes-nous pas comme ce serviteur qui avait enfoui le trésor reçu en attendant le retour de son maître? Ce que le Seigneur nous a confié, c'est maintenant
encore une fois maintenant, qu'il faut le faire fructifier. Nous avons des talents, mettons-les au service de l'Église. Des initiatives sont prises en faveur de la nouvelle évangélisation, en faveur de la diaconie, des appels pour prendre en main des structures pastorales dans notre diocèse, dans notre paroisse, au milieu de notre lieu de travail, au milieu de notre vie de tous les jours. Alors, que répondons-nous? Ce sont autant d'occasions, d'atouts pour réveiller notre attente. Oui, qu'avons-nous fait du don de la foi reçue? Sachant que c'est en faisant fructifier ce don, en coopérant au dessein du salut et à l'avènement du royaume, que nous donnerons la joie dans les cœurs des autres et dans notre cœur, que nous conduirons à son accomplissement, ce peuple composé de croyants. Chers frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de tout comprendre dans la vie de foi, car les doutes font partie de la foi. Alors, n'attendons pas de tout comprendre pour nous engager dans l'Église. L'initiative et la prise de risque apparaissent comme des signes de confiance fondés sur cette perception juste du maître. Revenons à notre dernier serviteur de la parabole. Il n'a pas été productif par peur, par paresse. Alors il s'est replié sur lui-même et n'a rien fait. À nous, il nous est demandé de prendre le courage, l'audace de la foi pour un combat spirituel en attendant le retour du Christ, ce retour glorieux. Il faut accepter d'entreprendre sur nous-mêmes un travail d'ordre spirituel au lieu de prendre parti de la peur, de l'absence de confiance en Dieu pour rester inactif dans notre parcours de la foi. D'ailleurs, Saint Paul, à propos de la peur, nous apprend quel est le fait d'un esclavage dont l'Esprit Saint nous libère. Oui, Seigneur, donne-nous la force de chasser de notre cœur la peur. Amen. Proclamons notre foi au Dieu unique. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est descendu sous les lits, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à faire valoir les dons que nous avons reçus le jour de notre baptême. Avec foi et confiance, tournons-nous vers lui pour lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ton secours pour être productif dans ton Église. Confions-lui toute cette mission.
pour l'Église, afin qu'elle devienne un lieu d'accueil, d'échange, de fraternité, en particulier pour les personnes sans travail, sans revenu, qui désespèrent, pour les enfants qui subissent ces situations et souffrent de la précarité, afin qu'en vivant une réelle fraternité, nous soyons témoins de la vie que tu donnes à tous. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l'offrande de nos vies. Pour les femmes et les hommes du monde entier qui souffrent de discrimination, des guerres, des violences, de la pauvreté, afin que nous ouvrions notre cœur aux dimensions du monde et en nous engageant dans des actions de solidarité. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer communauté, se rendre proche de tous pour l'accueil, l'échange, le partage de la parole, afin que nous mettions les pauvres au centre du cheminement de notre communauté paroissiale. Seigneur, nous te prions. Jésus, toi qui as promis d'envoyer appelle à être des serviteurs actifs dans ton champ apostolique. Donne-nous force et grâce, courage, audace, pour que nous puissions accomplir cette mission. Nous te le demandons, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Du sein de notre Dieu, de l'infini des cieux, descend de son saint lieu sur nous. Pour l'adorer, nos cœurs émerveillés reçoivent en sa bonté la joie de vivre en son alliance, au puits de sa présence, sur source inépuisable de sa voix. Viens pas.
s'envole et qu'il s'épanche, qu'il s'ouvre et qu'il se penche sur les eaux immuables du pardon. Que tous ensemble ainsi, devant toi réunis, nous recevions cette huile sainte, bonne et abondante, pure et bienfaisante, ordonnance éternelle de sa main. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Permets, Seigneur, notre Dieu, que l'offrande placée sur ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance. Et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut. C'est par lui, par le Christ notre Seigneur, c'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Saint, Saint est le Seigneur, éternel est son amour. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. Voilà pourquoi, Seigneur, rassemblé devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit et le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui reviendra. Viens, viens Seigneur Jésus. Gloire à toi qui reviens mort. Cloué sur la croix. Gloire à toi qui es vivant. Sorti du
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de son époux Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marguerite et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Yves, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, toutes les personnes consacrées, les catéchistes et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et ce matin, nous confions à ta miséricorde Antonio Calado, Antonio Souza Mendes, Manuel Simao, Philippe Liparo, Serge Poirier, José Pinto, Horacio Gomez, Gabriel Stéphane et Albert Coller, Manuel Tessera, Georges Baudry, José Luis Otilla Texera, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En reprenant cette prière des enfants de Dieu, pensons à la famille Binks-Berton. Pensons à tous ceux qui se recommandent à nos prières, nos malades, tous les foyers en difficulté. Ensemble, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix au monde entier. Donne la paix aux pays en guerre. Donne la paix à nos familles. Donne surtout la paix à nos cœurs. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous un signe de paix et de fraternité. Les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Thank you.
Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Prenez et mangez, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle de son Père. Et chacun retrouve espoir en l'écoutant. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
prions pour la vie éternelle. Prière à Marie, mère de l'Évangile vivant. C'est une prière du pape François. Vierge Marie, aide-nous à rayonner par le témoignage de la communion, du service, de la foi ardente et généreuse, de la justice et de l'amour pour les pauvres, pour que la joie de l'Évangile parvienne jusqu'aux confins de la terre et qu'aucune périphérie ne soit privée de sa lumière. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Alléluia. Une petite annonce aussi, la semaine prochaine, c'est le repas paroissial. Donc, faut aller voir encore Simone au fond de l'église, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Hein, voilà, donc n'hésitez pas. Si, dans 15 jours, il va y avoir le marché de l'Avent aux pèlerins. Donc, il va y avoir un marché le 29 et 30, hein, c'est ça, je crois, mon père. Voilà, donc, dans les jardins des pèlerins d'Emmaüs, donc, un marché de l'Avent. Bonjour à tous. Ce mois-ci, l'appel de la CAT concerne une famille. Après avoir fui la Russie et transité par la Pologne, M. Taraev, sa femme et ses enfants ont réussi à rejoindre la France en 2013. Mais la France n'a pas voulu de leur demande d'asile, malgré les persécutions alléguées, parce qu'ils sont en procédure Dublin. Cette procédure lie les États de l'Union européenne. Toutefois, certains pays, comme la Pologne, considère ces demandeurs d'asile comme des détenus. La CAT France nous invite ce mois-ci donc à écrire à notre président pour que les demandeurs d'asile relevant de cette procédure aient la possibilité de former un recours suspensif comme toute personne invoquant des craintes de persécution. Merci de signer la lettre à la sortie et priez. Et une dernière information, donc les mouvements, pour tous les mouvements d'église sur Ponte au Combo, il a été créé ce qu'on appelle un cahier des annonces. Ça veut dire que quand vous aurez une annonce à faire, à dire le week-end qui vient à la messe, au presbytère, il y a un cahier et vous donnez ce qu'on appelle les annonces et nous, les animateurs, saurons de quoi on va parler. Comme ça, on n'aura pas besoin de déranger le père, tout ça. Donc d'accord, c'est un cahier qui est prévu. Donc hein, dès que vous avez un mouvement, dès que vous avez quelque chose à faire passer comme message dans le week-end, pas la vente d'une voiture, hein, d'accord hein. Je parle de bien des trucs de l'Église. Hein. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te supplions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine. À tous.